Detective Norman. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me. If you know what I mean. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. Does the name Salieri mean anything to you? You got something in common with him? I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. Ralph will introduce you to us as a complete idiot. He's got a special way with cars. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, we'll make it your own. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. I'm trying to kick your ass out of this part of town. You can't feel sorry for these animals. What'd you say? Bring back the bat. It's my nephew's. Sure thing. Come on. Just try it. Stop screaming. Stop right now. Say, you've got balls, Tommy. Hello. I'll teach you a few tricks. Christ, that was crazy.
Avant, j'étais chauffeur de taxi. Côté pognon, c'était ric-rac même en turbinant joigny, mais j'étais content d'avoir un boulot. Les temps étaient durs et les plus malheureux que moi, ça grouillait dans les rues. Bref, c'est avec ce bahut que je suis tombé un jour sur les gars de Salieri. C'est eux qui me sont tombés dessus. J'ai entendu un grand bruit. Sam, ils m'ont eu. La boucle là, fonce. Il y a un bahut. On va s'en tirer. C'était clair que ces gars avaient le feu aux fesses. Il fallait que je sois coopératif, vu qu'ils m'auraient sûrement plombé une sucette. Démarre, mange-toi. On va où? N'importe où, méfie ça. Et t'as intérêt à foncer plus vite que ce crétin de Sam. J'ai mis la gomme comme si j'avais le diable au fesses. Je serais allé n'importe où avec ces types qui me filaient le train pour flinguer mes clients.